pourrait amarrer le bateau ici. Pas fâché d'être dans ton camp. Atreus. D'accord. Veidogard. Avant-poste sud du roi Nain. Nain. Roi ? T'as déjà entendu parler du roi Nain ? Non. J'avais entendu parler d'un puissant nain qui régnait sur de pauvres bougres dans la région. Enfin, on m'a rien demandé.
qu'est-ce qui leur est arrivé? Suis les indices. D'accord. Bon. Les traces de feu, elles sont toutes regroupées. Donc ils se cachaient peut-être pour échapper à un cracheur de feu. Mais ils sont morts quand même. Ils étaient faibles. Maudit soit le roi, non ? Fléau des hommes. C'était pas un très bon roi, apparemment. Je me demande pourquoi ils le détestaient autant. Ils sont morts, de toute façon. Quelle importance ? Aucune. Je suis seulement curieux. La curiosité peut être dangereuse. Reste concentré. Qu'il fait pour construire des statues aussi gigantesques? Les nains sont des créatures pleines de ressources. Pénibles, mais pleines de ressources. Il devait être très important parmi les nains. Ça ressemble à un dragon. Est-ce qu'il est enchaîné aussi? Je vois quelque chose là-bas. Intéressant. Atreus.
raconter des histoires sur lui. On peut l'aider? Ce dragon est dangereux. Je sais. Mais il a l'air si triste. Je ne sais pas où tu vois de la tristesse dans ses rugissements et ses flammes. Atreus, avec moi. Thank you.
l'aider. Tu es trop enthousiaste, Atreus. Si jamais il nous attaque, on sera obligé de le tuer. Ah. C'est vrai. Je serai prêt. On verra. Ça, montre-leur ce que tu sais faire. Voir ici. Oui, père.
résoudre l'énigme maintenant. Ses échecs. Encore un de ce côté. C'est Scathy. Maman l'aimait beaucoup. C'était une grande chasseresse. Exact. On l'appelait la reine de la chasse. Voilà son père, et tous les animaux qu'elle chassait. Il lui a bien appris. Et le dernier panneau. Revoilà son père. On les voit tous les deux, dans la neige. Mais ils y sont toujours. C'est une longue histoire. Regarde cet endroit. Une ruine. Oui, mais si c'est un nain qui l'a construit, ça devait être impressionnant à l'époque où il régnait. Derrière toi!
Le roi Nain a obligé ses sujets à chasser des dragons et d'autres monstres pour lui. Tu parles d'un roi, hein? Concentre-toi! Il faut que tu vois ça. On dirait que ce levier là-bas pourrait le libérer. Il va attaquer. Je sais, mais une créature comme ça devrait pas vivre en cage. Encore tes émotions, hein. T'entends pas leurs pensées. Ignore-les et tiens-toi prêt. D'accord. Bête maintenant. Eh bah, rien. Mais il était heureux de mourir au combat, plutôt que de moisir dans une cage. Ta technique s'améliore. Tu t'es bien battu, Atreus. Merci, père. Thank you.
De l'air frais, ça fait du bien. Atreus, prépare-toi. Y'a pas de quoi. Atreus, suis-moi. Désolé, je pensais à autre chose.